Aujourd'hui, on est le 9 février. Et je pars direction Bruxelles. Avec mon fidèle sac à dos, on est en route pour vivre des nouvelles expériences et de rencontrer, cette fois-ci, de nouvelles personnes. Je pars de Paris pour ensuite aller à la gare de Bercy pour prendre le bus. Je suis tellement contente de partir de nouveau avec mon sac à dos. Me voilà arrivée à Bruxelles et là je pars direction de la grande place où se trouve mon auberge de jeunesse. Me voici avec Chloé à The Avocat Show, qui est un petit endroit où on peut prendre des brunchs à Bruxelles. Et on a mangé beaucoup trop. C'était tellement bon. La gaufre. Et du coup, c'est ça la gaufre liégeoise, genre. Oui, la gaufre de Liège, c'est celle-là. Ouais. De Liège, c'est pas liégeoise, ok. De Liège. C'est trop beau. Ok. Du coup, dedans, des éléments sociaux. Oui, bon, ouais, je pense que je vais prendre ça pour le coup. S'y diriger. Allons-y. En route. Waouh, c'est beau la place. J'ai déjà oublié le nom. La place Royale, je crois que ça s'appelait comme ça. Ah oui. Ah, Mont des Arts, on m'a dit d'aller aussi. C'est une place. Ah bah, est-ce que. Attends, je sais pas à quelle. J'aime bien, ils ont couvert les trucs de lumière, genre. Oui. Ah, mais t'as vu ça. Mon appareil. Là, je me trouve en bas. C'est clair. Oh là là. C'est comme ça. On est là. Ouais, coucou. Génial, avec nos petites cartes postales, qui est le prix littéralement de la place. Ça me tue comme la petite tour, elle sort du toit comme si elle était pas, enfin elle devait pas être là puis qu'elle est sortie. Ouais, ça, un peu en champignon quoi. Ouais. Genre qui a poussé là.
est parti prendre un petit goûter. On a pris des gaufres de Liège avec un format un peu spécial. Ensuite, je suis allée seule au musée de la bande dessinée puisque Chloé devait prendre le train. Et je vous laisse avec les images. Après le musée de la bande dessinée, je suis retournée à l'auberge de jeunesse et là, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait un festival de lumière et je vous laisse regarder les images, c'était tellement beau.